We're in Western Africa, in a village of Niger, a country of the Sahel region, where agriculture and livestock are the main source of income for more than 80% of the population. It is the time of year for preparing a campaign on inventory credit. Men and women representatives of the key stakeholders for inventory credit meet in the village. Men and women producers of Niger are organized at the grassroots level in farmers' organizations. The organizations are gathered into unions. Finally, the unions are gathered into a single federation. The characters in the play are a representative of a rural finance institution, the banker, a trader, in Niger this means he is rich, the president of the union, an important person because he signs the credit agreement with the microfinance institution. Two female agricultural producers. Nous sommes dans le bureau du responsable de l'institution de microfinance. Et le commerçant, le businessman, vient le rencontrer. Salam alaykoum. Ah, Bachir. Comment ça va? Ça va bien, oui? Et la récolte cette année, là? C'est vrai? Ah, c'est bon, ça, c'est bon. Parce qu'avec vous, là, vous avez de grandes récoltes et donc nous allons pouvoir vraiment mettre en avantage une grande quantité de mille. Et en plus, vous avez de grands magasins disponibles pour le transport. Je sais que vous allez pouvoir trouver des solutions. Donc vraiment, voilà, c'est une bonne chose. On va faire de bonnes affaires cette année. Ça va être une bonne récolte. Très bien. Merci. À bientôt. Hein. Monsieur le Président, ça va? Ça va, monsieur le Président. Ça va, tout va très bien. Il y a une bonne récolte en perspective cette année et notre union va pouvoir faire du marron. Qu'en pensez-vous, mesdames, de votre productrice? Ah, je crois que notre organisation sera au rendez-vous. La mienne également. Notre union mettra du bébé, du guandu, donc le poids de terre, du sésame, de l'arachide. Et avec le crédit, on va faire des bonnes activités qui vont nous ramener des bons revenus. N'est-ce pas, monsieur le banquier? Monsieur le banquier, apparemment, notre proposé ne vous intéresse pas. Si, ça m'intéresse, mais bon, vous savez, c'est vrai que votre OP a toujours remboursé son crédit, mais vos productions sont trop petites. Vous n'avez pas une grande production agricole. Mais si vous voulez des grosses productions, monsieur le banquier, nous pouvons mettre, en plus de notre production hivernale, nous pouvons mettre nos produits maraîchers. Et souvent, il y a une bonne production. Non, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Vous savez bien que vous n'avez pas vos propres magasins de marrantage. Vous allez devoir trouver des locaux pour stocker la production et ça va encore être réparti dans plusieurs villages. Ça va nous poser des difficultés. En plus, les produits agricoles que vous voulez rentrer, ça nécessite des conditions de stockage spéciales, très difficiles. Et donc, nous, ça pose un peu des problèmes. Monsieur le banquier, justement par rapport aux producteurs hivernales, peu importe les quantités que nous mettons, notre objectif est vraiment de sécuriser nos semences contre les intempéries, les incendies et les paradis. Je comprends bien, je sais que vous avez vraiment besoin du marrantage pour ces choses-là, mais vous savez que nous, nos ressources sont très limitées et je ne peux pas octroyer des crédits à tout le monde comme ça. Monsieur le banquier, vous oubliez que c'est avec nous que vous avez commencé à faire le marrantage. Quand les hommes ont bradé leurs récoltes pour aller en exode, et avec le crédit, nous avons fait de l'embauche aux mines, individuelles mais aussi collectivement. Et aujourd'hui, vous oubliez tout ça parce qu'il y a des gros commerçants. Monsieur le banquier, nous voulons bien mettre les quantités plus importantes en warrantage, mais les moyens ne sont pas. Les moyens, vous parlez toujours des moyens, mais de quels moyens avez-vous besoin? Mais nous parlons principalement de la terre. Vous savez très bien que les petits producteurs ont de plus en plus de mal à louer la terre. Et en plus, ils n'ont pas accès aux engrais et au matériel agricole.
Oui, il y a la terre, mais nous n'avons pas assez de temps pour travailler sur les petits dauphins marginaux. C'est ça que nous travaillons. Il y a aussi le problème de l'information, de l'accès à l'information, de l'accès au crédit, de l'accès à l'anglais que nous n'avons pas utilisé. Oui, je vois bien que vous avez beaucoup de problèmes et que le warrantage est important pour vous, mais bon, écoutez, je vais voir, je vais analyser votre cas et on va voir ce qu'il y a moyen de faire. Vous voyez donc que ces hommes et ces femmes ont pas mal de problèmes auxquels on voudrait trouver des solutions et l'idée c'est de rester ici ensemble pour en discuter.